Aucun ressortissant canadien figure parmi les cinq suspects qui ont comparu devant un tribunal local pour des accusations relatives à l'attaque terroriste de mardi à Nairobi. Les autres sont des Kenyans. La police a demandé qu'ils restent incarcérés jusqu'à la fin de l'enquête. Le cas sera entendu le 18 février. Les agences de sécurité n'ont publié aucune information sur Goulaïd Abdi Hakim, mis à part sa nationalité. Un autre suspect a été arrêté dans la banlieue de la capitale kényane vendredi matin. L'enquête est toujours en cours alors que les agences de sécurité recherchent les responsables de l'attentat. 21 personnes ont été tuées lorsque les combattants ont pris d'assaut l'hôtel Dusit D2 situé dans la zone des Westlands à Nairobi. Le siège a duré plus de 11 heures.